Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'allosaure qui aime bien mourir, hein, la terreur du Jurassique, qui n'est pas trop une terreur en vrai. Et alors je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai déco à Twin Lake sur cette île, je sais pas. Ça me semble bien. Du coup, il y a des autres dinosaures autour de moi, hein, logiquement. J'entends. Il y a quoi? Il y a Cerato ici. Allosaure, il y a un autre. Il se rame quoi là? C'est un allosaure qui se fait bouffer. Il y a Carnot, je sais pas trop ce qui se passe. C'est tout le temps le bordel ce serveur, mais c'est incroyable. C'est tout le temps le bordel. Bref, bon. Du coup, je suis un peu affamé. Je suis pas full adulte. Je suis à 93%. Ouais, c'est ici. J'ai 63% d'eau, donc on va boire un coup. Et puis voilà. Et puis voilà, je fais 102 tonnes 357. Je cours pas encore à cette vitesse. Et j'ai 195 newtons, 0,002 de Bifrost. Du coup, ben je vais voir. Voilà, pour commencer. Comme ça on n'en parle plus. Là, il y a un truc qui nage vers moi. Je vais me casser, hein. C'est hyper dangereux comme dinosaure, l'Albertosaure, parce que tout simplement, il court beaucoup plus vite que moi, il fera plus fort que moi. Hein. Enfin bref. C'est dangereux, donc on s'éloigne de tous les dinosaures qui peuvent être très dangereux pour moi. Voilà, je vais aller manger cet avare. Déjà, ouais frérot. Et puis après, je sais pas. Hein. Après, je sais pas, faut que je me trouve un groupe. Ça, c'est prioritaire. Parce que j'ai aucune chance de survie, aucune chance de réussir à faire quoi que ce soit avec ce dinosaure tout seul. Yo frérot. Je suis un gentil allo. Ça va bien? Il est gros lui. Qui c'est? J'arrive pas à voir qui c'est. Pucci. J'ai pas vu. Bon, tant pis, on va pas l'inviter dans le groupe. Ah bon, bah il m'invite. Ok. Bon, bah Pucci. Voilà, Pucci. Nanana Pouki, nanana Pouti. Vous connaissez, hein? Vous connaissez, vous connaissez. Bon, déjà, faut que je devienne adulte. Déjà, pour commencer, il va falloir devenir full adulte avant de faire quoi que ce soit. Mais gros, genre Twin Lake, va falloir qu'on se barre. Hein. Va falloir qu'on se barre, gros. Non? Don't carry on Alberto. Quoi? Attaquer un Alberto? Même full healed. C'est pas vrai, il a pas été full heal. Il va me défoncer l'Alberto en vrai. Il va me défoncer. Il est beaucoup plus fort que moi en plus, je sais même pas du. Putain, je nage à 2 à l'heure quoi. Please no, please no, please. Allo, please. Non, tu vas nous servir de repas, frérot. You have a body. You can't. Comment ça, oh, we can't? Rien foutre. Voilà. Tac, on en a un autre de body. Moi, j'avais rien du tout. Allez, ciao. Ouais, bah ok. Je sais pas, moi j'avais pas de corps. Hein. Ribs Alberto, ouais, voilà, paf. Allez, je retourne sur mon île. Je retourne sur mon île, il fait noir. Et donc, bah écoutez, on va se poser avec une petite carcasse d'Alberto, tranquillou. Puis voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on va faire, je pense. Et on va se retrouver 2 jours parce que là, clairement, il va faire nuit, on n'aime pas ça. Ok, bon. Du coup, les bébés là, et on a trouvé 2 bébés sur la plage, mais ils répondent pas. Du coup, on a trouvé un autre bébé qui s'appelle JoaGamingFR qui s'est connecté. Et on va aller bah, le voir avec Pucci pour bah, l'aider à grandir. À ce qu'il paraît, il y a des suckots qui traînent à côté de chez lui.
Donc on va aller les galeries et en espérant que ça se passe bien sur le chemin, tout simplement. Parce que sinon, ça serait une déconvenue totale. Il y a possiblement quelqu'un d'autre qui va arriver aussi. Donc, j'espère. Avec un peu de chance, il est full adulte. Ça serait intéressant. Sinon, tant pis. Ok, petit avant derrière. Pucci, j'arrive. Je sais, je parle pas trop, gros, mais bon. Pas de problème, Pucci. Pas de problème, vas-y, go et des joueurs gaming FR. Ok? Et un bafou. On devait aller à Great Falls. Je sais pas si je vous l'ai dit. On s'est dit avec Pucci, vas-y, go fumer la planète à Great Falls. Mais bon. Entre la vie et la mort, choisissons la vie. Choisissons le bon côté. Le bon côté des choses. Le bon côté de l'humanité. Ou pas quoi, des dinosaures. Mais bon. Mais compris quoi. On choisit la vie, on choisit l'amour. Et non pas la haine et la mort, la violence et la destruction. Oh que non. Voilà, en gros c'est ça. Tout ça pour vous dire que y a Joueur Gaming qui est arrivé quoi. Tout ça pour vous dire ça, qu'est-ce que je parle longtemps, c'est incroyable. Ah oui, oh putain il est loin. Oh Boug, qu'est-ce que tu fous là-bas? Ah ouais. Ah ouais, Bigre. Oh Van de Liu. Triple buse. Mort bleu. Aïe. Bon, on va chez Joueur Gaming quoi. Non, pas encore. Bien. Nova. Vas-y, Pucci, casse-toi, c'est à moi. Elle est où la rivière? Viens à moi là, je suis plein dedans. Ah oui, je la vois. Bon, on a enfin stabilisé la situation, c'est bon. On est en train de manger, on a retrouvé les bébés. On a croisé un petit groupe d'herbivores sur la route cette nuit. Il y avait deux Diablos, un Terry et un Pachy. J'aurais bien aimé les bouffer, mais c'était trop chaud, les bébés avaient besoin de boire. Donc je pense qu'on va essayer d'aller à Great Falls. Je pense qu'il devait y aller. Donc on va essayer d'y aller après. Mais on va y aller tranquille, qu'ils puissent grandir un peu. Là ils sont pas encore adultes, hein, vous voyez. Donc voilà, on va y aller tranquille, on va aller à Great Falls et on va essayer de chasser un truc, ça pourrait être pas mal. Mais bon, encore faut-il qu'il soit adulte parce que là vraiment c'était vraiment des croquettes. Des croquettes. Je crois que Pucci il est des cocottes trop peu sur moi maintenant. Aïe 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 aïe. On va se retrouver tout seul hein. Ah ça vous allez passer adulte. Ça va. Oui bientôt. Bah, du coup je vous dis on va pas jouer de la même façon. Genre tu vois par exemple moi typiquement jamais de la vie je me serais posé ici hein. Ah bon? Ah non c'est en plein milieu. Moi perso je me serais mis dans les buissons. Ouais. Tout le monde te voit. Donc là il fait jour. Ah bah il a des quoi. Ah ouais. Yuri Pucci nous a quitté. Ouais il nous a fait une belle chasse tout à l'heure hein, quand même, ça va. Juste âme déjà. Bon bah t'es... Il y a plus que toi qui est adulte hein. Ouais. Là mais ça va, dans pas longtemps vous allez devenir adulte. Et vous serez plus petit donc c'est vous qui serez mangé. Allez les bébés. J'ai plus de stage, je vais mourir dans la rivière. Oui. Mon dieu. Les deux petits monstres. Elles étaient tellement longues que ça m'a fait bailler quoi. Il y a ça aussi, ouais, l'alozan il a un très très vilain défaut, c'est ça aussi, c'est de... Il fait plein de bruit tout seul. Et du coup tu te fais cramer en permanence par tout le monde quoi, il est affreux. Bon écoutez, bah du coup on s'est posé par ici. On s'est posé par ici, c'est pas très loin de The Wash. The Wash c'est par là-bas en bas là. On s'est posé là, ils sont passés adultes, alors on a vu dans la nuit des trucs à côté de nous, il y avait un T-Rex sub qui était c'était un gros sub. Du coup ben on l'a pas attaqué parce qu'ils sont pas full adultes, du coup ils restent de mourir. Ils prog tranquille et puis voilà, en gros on est tranquille. Tranquille posé ici, c'est le terre-terre des allos, on voit tout ce qui se passe. Pour moi c'est très important avec des dinosaures comme ça de voir ce qui se passe. J'ai fait un petit rototo là, interne. Quand il y a un dinosaure qui peut se faire astride très facilement, comme l'allosaure ou le T-Rex,
C'est important d'avoir un bon point de vue, je trouve, de vraiment d'avoir une vue dégagée pour voir les problèmes arriver. Et si on est tous les trois déjà full adultes, y'a moyen? Ouais, si on est tous les trois full adultes, ouais, y'a moyen. Ouais, le seum, s'il est seum, ouais. Construit qu'on se remette là-haut. Ouais. Genre, y'a moyen, tu vois, en fait, ce qu'il y a, c'est que visiblement, il a l'osaure, tu lui fonces dedans, tu le croques, tu le casses, tu vois. Tu lui fonces dedans quand t'es en accélération max, en crouch, tu vois. Après tu te casses et en fait surtout le T-Rex il va saigner pendant très très longtemps, il va jamais régénérer, tu vois. Et genre il y en a un qui peut rester, tu vois, à côté de lui pour qu'il se couche pas, et deux qui foncent dedans, qui vont régénérer, après qui reviennent, etc etc, tu vois. Mais du coup en fait j'ai l'impression que les combats en allosaure sont très très longs pour tuer des gros trucs. Ouais ouais. C'est beaucoup de stratégie l'allosaure en fait. C'est juste très long, mais c'est clairement faisable. Ok. Mais bon, vaut mieux s'attaquer à un truc que tu tues facilement quand même pour l'instant, pour commencer. Ouais, pour l'instant, on va commencer mollo. Que on est que 3. Quand on était à 6, on n'a pas réussi à tuer un Rex. Hein. Ah, mais après, c'est très fort. Il y a du déco au bout d'un moment, il y en a deux qui sont morts. Mais un Rex, c'est très fort aussi, hein, genre, c'est ça le problème. Vas-y, reste. Ouais, reste couché s'il te voit et que t'as pas de cassé. Ouais, si, si un doigt et que t'as pas de cassé, t'es mort. Je crois que j'ai vu un Rex là-bas. Où? Quoi? Je crois que j'ai vu un Rex vers là où il y a lava. Je suis pas sûr. J'ai cru voir un truc. Par contre, s'il y a un Rex, je suis désolé, mais je vais partir pas de cassé ou pas. Ah non, non, mais vas-y. Ouais, ouais, ouais. S'il y a un Rex, vous m'abandonnez, hein. M'en fous. Bah ouais, t'inquiète. Ouais. Ah oui, t'inquiète pas, on va pas hésiter, hein. En plus, j'ai voulu faire échappe, j'ai gueulé quoi, comme un con. T'as combien là? J'ai un. Ah bon, ça va. Ça va. Vas-y, quand ma pote est plus cassée, je me mets en crunch et puis après on se casse. Ouais. Allez. Je vois rien, putain. Il y a lava et qu'on a tous faim. Enfin, non, qu'on a pas faim. Ah c'est bon, on y... Alors, je me mets juste un crunch et on y va. Viens, on va pouvoir y aller. Ok, on y va, moi je suis prêt. Bah moi je vais voir ce qui a fait spawn lava. Ah, vas-y, je viens avec toi, Tog. Je viens de loin. Surveiller les arrières, un peu. On part vers où juste? C'est un accro. Ah. Un accro? Il nous tue? Ouais, c'est hyper dangereux. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide que nous. Parce que là, Midfall, ouais, cassez-vous. De l'autre côté, hein. En cours? Non, c'est bon, il se barre en fait. Ah oui, je Je sais pas s'il est full en fait. Je crois pas qu'il soit full, hein. S'il est pas full, on peut le tuer facile, hein. Mais là, j'y vois. Ah, c'est relou. Vraiment, c'est relou, quoi. À chaque fois qu'il y a un putain de truc qui se passe dans ce jeu, on y voit rien. Ouais, c'est de ça. Rien, quoi. C'est putain de frustrant, quoi. C'est un délire. Je te jure, ça commence à me gaver, quoi. J'y vois rien. Il était devant moi, je le vois même plus. C'est qu'il est dans l'ombre d'un arbre en fait. Moi non, je l'ai oublié, mais... C'est où il est toi? Ouais je le vois, il a ses pattes, il a les pattes un peu blanches. J'entends. Mais je le vois. Ah ouais je le vois ça y est. Il est full adulte? Je crois pas. Ouais, il vient vers nous hein là. Ouais je le vois. Ouais il vient vers nous là. Non Pug. Je l'ai croqué. Courez. Cours. Ne restez surtout pas proche de lui. Il court 10 fois plus vite que vous. Pourquoi tu l'as appâté, Pog? Parce que je vais le bouffer. Mais par contre, vraiment, gardez vos distances de ouf, hein. Mais on peut t'aider, non? Ouais. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il a vraiment très très peu stam. Donc il faut lui faire perdre tout sa stam. Ouais, et après, on se le fait facile. Mais par contre, il faut vraiment rester très loin. Parce que. Non, en fait, je vois pas. Il me suit là. Je le vois là, il a les pattes blanches. Je reste à côté de toi. Il y a des sortes de petits poteaux blancs là, je les vois.
Ah, moi, je l'ai croqué deux fois, donc j'ai dû lui faire très mal. Ouais. Vas-y, on le prend de back, tu penses ou pas? Ouais, vous pouvez. Il nous tue, tu penses? Vas-y, un incro, non, il vous tue pas, mais il va vous faire très mal. Ok. Tu tues en combien? Je sais pas, 2-3 crocs. Ah ouais, moi, il m'a mis premier screen. J'ai 8 de bleed. Il m'a mis qu'un croc. Hein. J'ai plus de bleed, c'est bon. J'attends en fait juste de regen. Mais faites gaffe parce que vraiment, il court. Bah ouais, moi je suis pas loin là. Vraiment 10 fois plus vite que vous. Mais je crois que lui il a pas les gamma parce qu'il nous voit pas là. Ouais. J'attends juste de regen mon screen là. Vas-y, il me regarde vers moi là, tu peux l'attaquer. Ah non, il regarde vers toi. Je crois qu'il m'a pas vu. J'y vois que dalle. Il est en crouch, je crois. Non, il est couché. Il est couché, ouais. Vas-y, tu l'attaques et après je l'attaque. Ouais. Il regarde vers moi. Vas-y, attaque. Je le vois. Il s'est levé. Je l'ai croqué. Faites gaffe, il va venir vers vous. Il arrive. Oh, j'ai réussi à le brain sur le côté. Ok, c'est bon. Là, il prend. Il a perdu toute sa stam. Vas-y, je l'attaque. Vas-y, tu l'as dans le dos là. Que en crouch, hein, je vois. Tu peux pas l'attaquer si t'es pas en crouch. Parce qu'il va te rattraper. Il arrive vers toi. Hein. Ah, barre-toi. Toujours être très très loin. Ouais, mais là je suis en couche. Ah, enfin de la lumière! Putain quoi! Ouais. Fais gaffe, Tilros. Ouais, t'as gaffe. On a un peu oublié là. Faut essayer, je me rapproche, mais il s'éloigne trop vite. Parce que mais non, mais c'est bon, t'inquiète. Il va entre... mourir, de toute façon. Tant qu'il est entre nous. Là, il faut pas presser le combat là. Il va... il est en train de mourir là. Là, faut se dire qu'il est en train de mourir. Vas-y, j'attends qu'il s'assoit et. Enfin, qu'il s'allonge et. Moi, je reprends ma stam, hein, j'en ai beaucoup utilisé. Je vais même me coucher un peu. Si ça lui donne envie de venir, je sais pas. Là, on suit les conseils de Pucci. Pucci, il m'a dit tu fonces à travers et après tu reprends ta stam et tu régènes. Voilà, c'est ce que Pucci m'a dit, on fait pareil que Pucci m'a dit. Tu me dis si c'est la copie. Ouais, c'est tellement abusé. Non, c'est bon. Il est bon. Mais maintenant, il me croit la croix. Hein. Il peut pas se déco, on est d'accord. Non. Ouais, il a... enfin, je sais pas s'il a le droit. Ok, il est immobile, quoi. Je vais réattaquer. Genre, il bouge vraiment pas, il a même pas accroupi ni rien. Bah, s'il déco, on va dire que c'est win, hein. Bah, ouais. Ouais, bon, c'est. Ouais, c'est pas cool par contre. Mais les derniers screens en fait, je crois. Ah oui, t'es pas bien là. Vas-y, j'y vais. Vas-y. Chacun son croc. Yes, on l'a eu. Yes. Ouais, je crois que je t'ai touché. Ouais, vous m'avez mordu. Vas-y, de ma folie meurtrière, je vais aller tuer les Ava aussi. Ah, je deviens fou. Ah mort. Je crois que j'ai touché son esprit. Oui, j'ai rien fait, mais je suis fier de moi. Bah, à mort la vie. Voilà. Bon, en fait, on est passé tous les deux en même temps, on a croqué tous les deux en même temps. Ouais. Je t'ai touché ou pas? Non, tu m'as pas touché, je me suis écarté la dernière seconde. Moi, il y en a un qui m'a touché. Je crois que c'est. Je crois que moi j'ai touché Joe Gaming et Joe Gaming qui t'a touché toi. Bon bah ça va, c'était nickel en vrai. Il était pas fou là, je pense. Hein. Vraiment, je pense qu'il était pas fou. Bah, il est petit quand même. Hein. Ouais, il est petit. Ouais. Il est peut-être sur le point de passer seul. Mais n'empêche qu'il m'a fait mal. Hein. Il m'a mis premier screen et 8 de bleed en un croc. Tu sais, on va se régaler de cette carcasse. Ah, franchement, la vérité, ça fait 4 heures qu'on tourne en rond pour essayer de tomber sur quelque chose. Dans la nuit, bon, il avait l'air un peu plus gros. Mais en vrai, vous voyez qu'il m'a fait plutôt mal. Hein. Il m'a fait plutôt mal, le beau gars. Ah, yes. Mais je trouve qu'on s'est bien démerdé. Hein. Ça va. On n'avait pas de femelle parce que du coup, on aurait pu mettre un nid. Hein. Ouais. Ouais, mais on est entre potes. Potes allosaures, que des mâles. Ouais, du coup, peut-être que... Bon, après, c'est bien, on est allé, tu vois. Mollo. On n'a pas fait les fous. Et on a quand même réussi à le tuer. Et moi, ça nous entraîne pour plus tard, pour des trucs un peu plus dangereux, quoi. Genre le même en plus gros, quoi. Mais le même en plus gros, il est vraiment très dangereux, par contre. Hein.
Il est redoutable. Hein. Attaque! Oh, le pauvre! Je l'ai croqué! Essaye là. Parce qu'on a déjà des carcasses. Dégage. Ouais. C'est bon, on le laisse. Jamais de la vie. Ah ok. Il faut qu'il parte de notre territoire. Comment on est agressif. Ah la pression. Allez, casse-toi! Vas-y, on. Il y a un autre truc! Ça y est, tout. Ça, c'est plus gros, ça. Ouais, ouais, c'était gros ce qu'il y avait là-haut, là. Ouais, mais c'est. Mais qu'est-ce qui se trompe? On fume ou pas, Luthor? Ah bah Luthor, franchement, si tu veux vraiment le courir après, vas-y, bonne chance. Ouais. Non, je vais juste lui faire peur. Je vais aller checker voir ce qu'il y a en haut là, il y avait une grosse queue qui dépassait là. Ah juste ouais. Aller voir. Vas-y, je viens avec toi. Fais gaffe hein, parce que Luthor il peut vraiment te mettre dans le mal hein. Ouais. Ouais bah c'est bon, je suis là-bas. Ouais, si tu vois que ça part en vrille, tu viens vers nous, on pourra pas te suivre quoi. Oh! Bougon! Tu te fais attaquer là non? Viens vers nous! Ouais, viens vers nous plutôt, hein. Tu es pas fou la dude, il peut te tuer quand même. Hein. Cours! Non, il va te tuer. What the fuck? Y'a quoi? C'est les Tyrannosaurus Rex! Adulte! Courez, oh mon courez, dieu! Courez. Qui m'attendait en crouch en haut? Bâtard! Cours. Vas-y, je fais une trêve, on fait une trêve avec lui. C'est ah, bon, ça ou pas non, c'est le 2. Oh, merde. C'est celui que je fais là. Bon. Celui-là? Ouais, voilà, c'est lui. Bon, par contre, moi, je suis en train de bleed là. Bah, couche-toi, c'est pas grave. Bah, revenez vers la carcasse en vrai. Hein. Parce qu'il y a le T-Rex, hein. Ouais. Du coup le T-Rex pour de vrai il faut qu'il nous conteste comme ça il nous attaque pas gratos quoi. Non il peut pas nous tuer, Ah ok. Il a pas le droit. Il faut qu'il conteste. Enfin je crois. Bon là du coup. Vas-y on se casse hein. Ouais on se casse. Oh, tu avais le Cerato encore hein. Vas-y, on se fait le Cerato au pire. On a une carcasse. Alors on se met juste là, on a là-bas. Ouais, non, tu vois pourquoi c'est bien, genre un peu de règles sur les serveurs, c'est bien. Parce qu'au moins là, c'est pas n'importe quoi quoi. Ok, bon bah écoutez. Écoutez, la vidéo s'arrête ici. Voilà. Ils sont quasiment adultes, on va dire que le taf a été fait. On les a protégés, les servis. Et j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Incroyable. Incroyable. Oh là là, quel beau camp. Allez, tchuss.